Ah si, je l'ai pris après. Oh merde. Oh, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, et bonjour Olivier Gachter. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour dévoiler tous tes secrets. Pas tous, hein, j'en garde pour moi. T'en gardes Oui. D'accord, bon. Alors, beaucoup. Voilà. Du coup... Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est peut-être te présenter un petit peu. Donc, toi, tu es auteur de nouvelles et de romans. Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que j'oublie des choses? Alors, oui, puisque j'avais déjà, il y a quelques années, écrit un livre de cuisine, co-écrit un livre de cuisine, mais en fait, qui se lit comme un roman, grosso modo. C'est le seul livre de cuisine qu'il faut lire dans l'ordre. Ouais. Puisqu'il accompagne quelqu'un qui ne connaît pas la cuisine de l'ouverture d'une boîte jusqu'à le menu de la Saint-Valentin, complet avec 3 heures de boulot et 2 options. C'est beaucoup. À peu près, ouais. C'était vraiment le gros truc compliqué. Et ça, je l'ai écrit avec Franck Arif et c'est publié, encore disponible aux éditions Géphir. C'est le 4 septembre dernier est sorti un autre livre qui n'est ni un roman ni un recueil de nouvelles et qui s'appelle La Grande Cuisine Cosmique. Ouais. Qui est en fait pas un livre de cuisine du tout, c'est un livre d'astrophysique où j'explique l'astrophysique avec des métaphores et des images culinaires en fait. Et je ponctue un peu de cuisine quand même parce que je peux pas m'empêcher. Même dans mes romans, on parle de bouffe plus ou moins. Donc, je m'amusais à envoyer des recettes à l'éditrice en parallèle des chapitres que je lui envoyais pour relecture. Et elle m'a dit, on les met dedans, ce sera plus rigolo. Bon, ok. Et donc, le livre a également parle d'astrophysique, mais avec de la cuisine dedans. Ça, c'est chouette, c'est un chouette principe. Une raison à cette passion pour la cuisine En fait, quand j'étais gamin, je voulais faire hôtellerie. Mais dans les années 80, hôtellerie ou plomberie, c'était pas super bien apprécié par les gens. Hein. C'était vraiment la voie
la voie de garage, donc mes parents sont opposés. Donc je pouvais faire mieux que ça, gna gna. Ils sont opposés de façon assez subtile, et ils m'ont envoyé un ami à eux qui bossait chez Bocuse pour qu'il me dégoûte. Foiré. Donc bref, ça a marché, j'ai pas fait de cuisine, mais j'ai toujours gardé l'envie d'en faire, quoi. Donc je me suis adulte, puis même étudiant, je me suis mis à cuisiner, à prendre des coups de main, me renseigner sur des ingrédients par-ci par-là. Et au bout d'années et d'années, j'ai acquis un certain niveau, une certaine culture de ce côté-là. Donc ça m'a rendu. Quand j'avais rencontré le chef Franck Harif, on avait parlé de bouquins, et il me considérait au niveau pour écrire un livre de cuisine avec lui, quoi. Donc bon, j'ai mon petit niveau. Voilà. C'est Et marrant parce j'aime. que du coup c'est resté quoi, cette passion de départ est toujours là quoi. Ben oui, c'est. Après, j'avoue, mes parents n'ont peut-être pas eu tort, hein, parce que moi je suis un gros dormeur, par exemple, et quand on fait de la Ah. cuisine, enfin, c'est pas le genre de. Enfin, c'est plutôt un handicap. Donc, c'est des métiers qui sont très durs, il y a énormément de faillites, ça se trouve, ça aurait été une connerie que j'essaye, hein, mais bon, il y a toujours eu un petit peu le regret. Et puis, bon, bah, du coup, j'ai appris plus de choses que si j'étais cuisinier, finalement, parce que même si je suis pas aussi bon que quelqu'un qui ait fait hôtellerie, bah, je sais faire. Je fais mon pain, je sais faire ma moutarde, enfin, je m'amuse à collectionner les connaissances dans le domaine. Et est-ce que tu as la Bon. sensation que ce que tu fais en cuisine provoque des idées pour l'écriture? Alors, ça arrive, mais pas forcément de façon directe. C'est-à-dire, par exemple, j'aurais jamais pensé moi-même au livre de cuisine, pas d'astrophysique, La grande cuisine pardon. cosmique? C'est l'éditeur qui a eu l'idée, moi j'y ai pas pensé. Mais par contre, quand je fais des tâches répétitives en cuisine, ben, ça fait le vide dans ma tête. Oui. Et là, forcément, quand t'as le vide dans ta tête, les idées arrivent. Ah mais du coup, Et. parce que c'est rigolo, tu vois, on a plein d'auteurs ici qui ont dit ouais, moi pour avoir des idées, je marche dans la forêt, machin. Et toi, en fait, du coup, tu cuisines. Bah, j'écosse des petits pois, voilà, écosser des petits pois, c'est nickel pour les idées. T'as une masse de petits pois, c'est très chiant. Après, il y a un petit côté tactile rigolo, mais. Et puis tu fais tes petits pois, et puis tu penses à rien, et d'un coup c'est hop. Et c'est vrai que se promener dans la forêt, bah, tu penses pas à grand chose, et hop, il y a une idée qui vient. Faut surtout s'emmerder pour avoir des idées. C'est important. Faut rien faire, faut pas. Les gens disent, ouais, mais pourquoi tu regardes pas de séries, ça te donnerait des idées. Ben non. Non, parce que je réfléchis pas. Je regarde des séries, j'assimile peut-être des trucs, ça va peut-être me donner des éléments, mais pour avoir des idées, il faut que je fasse rien. Et la plupart des gens, c'est pareil, on a des idées en faisant rien. Et si possible, avec un tout petit peu de pression derrière. Ça met la Parce pression qu'on a. d'écosser les petits pois? Non, mais derrière, ça veut dire que je cherche une idée, j'ai la pression parce que je la veux, cette idée. C'est pour ça que j'ai travaillé des années sur commande. ça, J'ai ça. fait 40, j'ai fait 43 nouvelles, j'ai écrit 43 nouvelles. Ou 44, je sais plus. Et honnêtement, dans le tas, je dois en avoir 40 que j'ai fait sur commande. Oui, ça fait une très Et grosse majorité. ben voilà, la plupart du temps, soit parce qu'il y avait un objectif du genre, ben, il y a un concours. Alors c'est pas vraiment sur commande, le concours il est plus ou moins ouvert. Mais ça te donne un objectif, t'es pressé, faut le faire, faut trouver quelque chose là. Donc t'es sous pression, légèrement. Et puis. Du coup, quand tu t'ennuies, bah, ton cerveau, il va s'orienter sur le sujet où il a une légère pression. Donc, du coup, les idées que tu vas avoir auront plutôt l'orientation qu'il te faut pour régler ton petit problème du jour. Donc, si le problème du jour, c'est d'écrire une nouvelle pour un concours ou pour un appel à texte ou parce que ton éditeur est pressé, eh ben, c'est ces idées-là qui devraient sortir. Sinon, tu es dans la merde. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans la merde?
Attends, voir, je réfléchisse. La fois où j'étais dans la merde, en gros, m'a donné 3 semaines pour remplacer quelqu'un au pied levé aux Utopiales sur un sujet que je ne maîtrisais pas. Là, j'étais dans la merde. Ouais, ça c'est chaud. Et je suis assez content, j'ai réussi. Bon, j'ai détourné un peu le sujet, je pouvais me permettre, c'était pas figé non plus complètement. Mais ça m'a, mais en 3 semaines, il y a un boulot de fou. Là, ouais, j'étais dans la merde. Et du coup, ou alors, attends, un an encore plus dans la merde. Là, je me suis foutu tout seul dedans. Mon roman Le Baron Noir, il est en 3 parties. La première partie était parue aux éditions Céléphalis, indépendamment, en tant que novellade. Et en fait, j'avais rencontré au Salon du Livre l'éditeur, qui m'a dit, ouais, je voudrais lancer une petite collection là, steampunk. T'aurais pas quelque chose Bah, si. C'est pas vrai. Il dit, ouais, faut me fournir. Ça, si j'ai quelque chose, faudrait que je leur dise un petit peu, mais sinon ça va. Il dit, ouais, tu peux me l'avoir dans 3 mois. Ouais, problème. Et là, j'étais dans la merde. Parce que j'avais rien. Même pas le début d'une idée. Ah oui. Ah oui, mais que dalle. Je prends le métro en sortant du salon du livre. J'étais assis sur le strapontin. Il y a un mec qui monte, il s'assied sur le strapontin. Il y avait une touche pas possible. La première fois que je voyais quelqu'un qui portait des guêtres, par exemple. Et il avait un costard vert, 3 pièces, avec le veston façon Nestor. L'arrêt au milieu, il était roux. Les cheveux un peu collés gomina, il avait une mallette de médecin et il était habillé tout en vert et il avait des guêtres, le truc. Et là, en le voyant, bing, ben, j'ai vu méchant de l'histoire, direct. Le pauvre, il a juste pris le métro, quoi. Et hop, toi, t'en fais le méchant. Oui, mais parce que je cherchais des idées, je pensais à rien, vu que j'étais dans le métro, j'avais pas de livre dans les mains, rien. Tu vois arriver le type et il m'a bouché un coup. Il aurait eu l'air un peu plus positif ou sympa, ça aurait été le gentil de l'histoire, et mon baron noir, ça serait un mec avec une mallette et un costard vert. Non, Voilà mais donc. c'est parce qu'en fait, tu avais trop envie de faire ce projet-là. Tu avais envie de travailler avec ce mec-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui au final si tu avais rien? À l'époque, j'étais peut-être un peu con. Non, mais c'était. Ah, mais tu veux dire, en fait, c'était la folie de la jeunesse, c'est ça? Ouais, enfin, façon de parler, parce que j'ai commencé à écrire à 30 ans, moi. Mais ouais, c'est un petit peu ça. C'est dans le genre, j'avais pas de sujet sous la main. Je savais que je savais écrire vite. Le steampunk, à la base, ça me parlait pas mal. Et puis il y a une opportunité, on me dit putain, si je propose quelque chose en 3 mois, c'est bon, ça part. J'ai au moins une novella qui sort. Dans Ouais. l'enthousiasme, je dis allez, j'y vais. C'est après, à froid, je me dis putain, maintenant je me suis engagé. Je suis du genre, quand je m'engage, je tiens. Au pire, j'ai une demi-heure de retard. Voilà. Donc du coup, je me suis collé une putain de pression, quoi. Ouais, je comprends. Et puis avec obligation d'y arriver. Alors évidemment, dans ces cas-là, il faut prendre des raccourcis. Et du coup, j'ai pris une histoire d'Iron Man, je l'ai foutu au 19e siècle et roule ma poule. Bon après, pas que, je l'ai mélangé avec des choses que je connaissais d'un lointain passé. Par exemple, j'avais bossé avec le musée de l'air sur Clément Ader quand j'étais étudiant. J'avais fait des calculs pour eux pour vérifier si l'avion 3 de Clément Ader avait assez de portance pour décoller, un truc comme ça. Et du coup, j'avais une assez bonne connaissance du personnage. Je savais qu'il avait commencé à bosser en 1864. Donc je me suis dit, bah, je prends ça. Alors il faudrait qu'il y ait Ader, ça se passera en 64. Qu'est-ce qui se passe en 64? Je regarde, ok, je vais prendre Tony Stark. Et puis je lui colle une armure à air comprimé. Et puis tiens, il faudrait qu'il ait un majordome comme Batman, ça peut être rigolo pour les discussions. Et puis voilà, en une demi-heure, je t'ai torché le synopsis de l'histoire, quoi.
Et du coup, quand tu travailles sur une idée comme ça, tu notes toutes tes idées directement sur un fichier ou tu griffonnes sur un papier, t'as 12 000 papiers qui volent ou t'as des carnets, comment tu fonctionnes? Alors, j'ai des carnets que je relis pas. En fait, Ouais. ma façon de mémoriser est très écrite. Alors, du coup, tout ce qui me passe par la tête, je le note. Et une fois que c'est noté, normalement, je n'ai pas trop à revenir. Ou ce qui n'est pas intéressant disparaît, quoi, tu vois. Alors, des fois, ça peut être intéressant de revenir dessus plusieurs mois après, de les relire, pour dire, tiens, j'avais stylé, c'est pas si mal, en fait, dans un autre contexte. Mais globalement, en gros, j'écris prends des notes et puis elles se figent en un truc qui me permet après de bosser. C'est-à-dire que moi, je suis un peu du genre auteur-architecte. J'ai besoin de la fin, etc. Mais faut pas que ce soit trop, 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 trop détaillé, mes plans. Parce que j'avais essayé de faire des espèces de bibles univers ultra serrées. Mais une fois que tu l'as écrite, t'as plus rien à dire, en fait. Ouais, Donc ça c'est ça devient. souvent, ouais. Donc ça devient chiant, donc faut pas en arriver là. Donc ce que je fais, c'est je prends des tas de notes, et puis ce que j'oublie pas, bah, c'est ce qui va me servir pour le livre. Parce que Ouais. c'est super bon pour que j'oublie pas. Oui. Et après, bon, ça m'empêche pas ensuite de revenir sur les notes éventuellement pour enrichir un truc ou un autre, mais les grandes lignes, elles se créent comme ça. Et puis par contre, je travaille aussi beaucoup avec des. Comment dire, des diagrammes de Gantt. Je ne sais pas si ça va parler à l'auditoire. Peut-être pas trop, vas-y. En fait, dans l'industrie, on utilise un système de planning qui s'appelle le diagramme de Gantt. Et que je pense que si on montrait un diagramme de Gantt, les gens feraient, ah, c'est ça. T'as une liste de tâches et puis tu as une barre qui représente la durée. Et tu peux lier les barres entre elles. Et je faisais un peu ça pour décrire mon roman, pour faire le plan des personnages. Je faisais un espèce de diagramme de planning, comme ça, montrant bah, chaque ligne, c'est un personnage, il fait quoi. Voilà. Mais c'était pas très pratique. Et du coup, j'avais réfléchi à d'autres méthodes et je prenais à l'époque du Baron Noir et d'Évariste des feuilles de papier millimétré. Sur papier calque, mais c'est du papier millimétré, comment dire, circulaire. D'accord. C'est pas horizontal, vertical. Il y a un point central et le millimétrage part en rayonnant comme ça, Ouais. en une espèce de cible, tu vois. OK. Et je faisais une croix au milieu, et la croix, c'est le climax. D'accord. Donc là, mes axes, après je traçais les axes, c'était les axes narratifs, et ils devaient se rencontrer tous au milieu. Et ils devaient aussi à certains moments se croiser. À chaque fois qu'ils se croisent, normalement, dans les exceptions, mais normalement, tu as au moins un chapitre. Enfin, où il y a quelque chose à écrire quand ils se croisent, les axes narratifs. Donc je faisais un espèce de diagramme avec des traits partout, avec des espèces de passerelles qui passaient d'un axe à l'autre avec des notes dans tous les coins. J'en ai photographié un en souvenir parce que c'est à la fin ça faisait un truc il n'y a que moi qui pouvais le lire. Mais ça décrivait totalement le roman sans rentrer trop dans le détail. Ah, je t'avoue que le truc est totalement abstrait, j'ai vraiment beaucoup de mal à figurer la tronche du machin, quoi. Oui, bah alors par contre, j'ai amélioré le système grâce à l'outil IOM Timeline, dont la version 3 possède ce qu'on appelle un chemin de fer. Ouais. Donc dans le chemin de fer, au lieu de faire des axes qui se croisent au milieu, ils sont parallèles et ça ressemble vraiment à ce qu'on utilise soit dans les rédactions. C'est un outil de rédactionnel, c'est un chemin de fer, où tu as plusieurs sujets et tu peux les faire se croiser. Donc là, par exemple, admettons que pour un roman, j'ai le Baron Noir, on va dire. Donc j'ai un axe, c'est le héros, un axe, c'est le méchant, un axe, c'est Clément Ader. On va prendre que ces trois-là, ça suffira. Et puis, bah, le jour de la rencontre entre Clément Ader et le héros, et bah, les deux axes se croisent. Donc on croise les deux axes, on fait un petit rond, et le petit rond, c'est un chapitre, ou un élément de chapitre. Ensuite,
Un peu plus tard, il va croiser une première fois le méchant sans savoir que c'est le méchant. Donc, nouveau croisement entre deux axes, nouveau chapitre. Puis, Clément Ader, bâton, va se faire enlever par le méchant. Donc, on a l'axe du méchant qui croise l'axe de Clément Ader. Et, qui va, et ça fait un autre chapitre, etc. Donc, à la fin, en faisant comme ça, toutes les rencontres, les croisements, les interactions, tu crées ton chapitrage draft. Et ensuite, tu peux réfléchir à s'il manque des trucs. Mais tout ton plan, il est fait, grosso modo, juste en se disant, bah, attends, pour que j'arrive à un climax qui est mon gentil casse la gueule au méchant, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut qu'il se rencontre, il faut que le méchant soit vraiment un méchant, faut qu'il ait fait des trucs, faut que un comparse ait trouvé un indice. Donc, et à chaque fois, tu crées tes petits jalons comme ça, et tu te retrouves à avoir ton plan qui se crée tout seul. En Et fait, tu fais un plan d'histoire comme on fait un plan de métro. Ouais, pour aller d'un point à l'autre, il faut que j'aille par étapes à différents endroits. Donc, comment ça se passe? Voilà, et ça me crée mon plan. Après, c'est un plan provisoire. Je vais retrancher des. Il y a peut-être des chapitres qui ne sont pas des chapitres, mais une mention simplement. Je vais peut-être mettre une ellipse par-ci, par-là. Après, il y a le vrai travail de l'écrivain. Mais l'histoire, je la crée comme ça. Du coup, je commence par la fin. Il se passe un truc. Je sais que pour que ce truc se passe, il me faut X personnes ou X arcs narratifs, on va dire. Et à partir de ces arcs narratifs, je remonte jusqu'à la fin pour me disant bah, à quel moment ça se croise et à quel moment il y a des points importants sur lesquels je dois m'attarder. Et ça me fait mon premier chapitrage provisoire hein, sur lequel je vais pouvoir travailler. Plus de façon plus standard, mais j'ai déjà fait des petites formations, j'ai donné des petites formations sur Raven Timeline pour montrer comment je faisais. Je prends généralement un exemple, je prends des actes narratifs qu'on m'impose complètement, et en 20 minutes, j'ai un plan de roman Mais qui du sera à coup, travailler, mais on peut partir quoi. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais du coup, ton système, oui, ton système narratif, en tout cas dans sa structure, repose essentiellement sur les personnages. Parce que tu me dis que pour toi, donc, tu fais des. Chaque axe représente un personnage. Ou un Et que axe donc. narratif. Mais qu'est-ce que tu Ça entends peut par être là? pour. Bah, c'est-à-dire que si tu as un truc qui. Mettons, la vie de la cité autour a une importance particulière, tu as envie de que ce soit comme un personnage, tu as Ah. un axe narratif qui représente la vie de la cité. Oui, mais pour toi, de ce que j'en comprends, c'est que le concept d'arc narratif est associé au concept de personnage. C'est-à-dire que même si tu prends quelque chose qui va pas être un personnage, dans ta tête, tu vas le concevoir et l'envisager comme un personnage. Ouais, bah c'est, disons, le point commun pour moi entre un personnage, un axe narratif, quel qu'il soit, si l'axe c'est l'histoire de quelque chose, c'est des événements qui vont être provoqués par le personnage ou dans le cadre de l'axe narratif. Donc je peux plus ou moins les traiter de la même façon. Sur le papier, en tout cas au début. Après, évidemment, comme je te disais, il y a le travail de l'écrivain qui va rendre ça plus fin Oui, non, bien sûr, et là on parle en termes de d'idée générale de ce qui va se passer. tout à fait. Mais ça peut être la montée d'une religion, ça peut être un axe narratif, ça peut être tu as toute ton histoire qui se déroule, puis tu as un astéroïde qui tombe, tout le monde le sait, et ça va. Là, je suis en train de faire de l'écriture automatique en direct. Donc, tu as un polar qui se déroule, et puis tu as un astéroïde qui tombe, et tout le monde le sait, et il faut que l'enquête s'arrête juste avant que l'astéroïde tombe. J'ai l'impression d'avoir jamais entendu cette histoire quelque part. C'est peut-être une fausse invention de ma part, mais ça me dit Il y quelque a chose. l'histoire qui ressemble à ça, il y a l'histoire où la lune tombe Ouais. de Sabrina. Oh pardon, je suis fatiguée, j'ai la migraine, j'arrive plus à réfléchir. Sabrina Calvo? Oui, Sabrina Calvo, merci beaucoup.
Ah ben, j'ai dû voir le pitch dans un coin et me coller dans le cerveau et ça sorti juste là en direct. Ouais, ben, toi, ben, ça, ça fait partie de l'axe narratif, la météo, l'astéroïde qui tombe. Moi, par exemple, dans un roman sur lequel je suis en train de travailler, il y a un axe narratif, c'est lié aux comètes. Il y a une comète qui tourne et suivant sa position, il se passe des choses. Oui. Sa comète, je sais plus celle qui est en train de passer en ce moment. Enfin, d'ailleurs que j'en change, j'ai mis trop de temps à écrire ce bouquin. Bref. Pourquoi ça fait combien de temps que t'es dessus? Si tu peux le dire, enfin. Bah, comme j'ai eu des projets intercalaires, ça m'a retardé, mais Eh oui. la première partie est parue en nouvelle, en 2019 peut-être. Ah. Et je pensais pas que c'était. Je pensais que ça allait s'arrêter. C'était une nouvelle pour Rivière Blanche, dans Nouveau Détective de l'étrange, ou je sais plus le nom je sais plus trop le nom de l'anthologie. Et en fait, c'est une nouvelle qui ouvrait plus de donnait plus de questions à la fin qu'elle apportait de réponses. Donc du coup, ça paraissait normal d'en faire une suite, ce que j'avais fait dans mon coin. J'ai trouvé ça pas mal, mais j'avais toujours pas répondu à toutes les questions. Et donc j'ai fait un tour. Je dois tout clore dans une nouvelle qui répond à tout. Mais Et du ça coup, fait on fait un roman en fait. oui, c'est ça, je vais te dire, ça a l'air d'être quelque chose qui t'arrive quand même régulièrement de faire des romans parce que avant ça, eh ben, t'as fait une nouvelle et du coup, t'as eu envie de voilà, développer. Bah oui, c'est vrai. En fait, je suis vraiment un gros dilettante hein, à la base. J'ai commencé à écrire parce que je pouvais plus faire de sport parce que j'avais un problème au genou. Moi, je suis mécanicien, j'ai jamais fait d'études de lettres. Vraiment, je fais ça pour m'amuser, c'est mon macramé à moi. Hein. Donc du coup, je vais pas forcément sérieusement m'attaquer à un roman avec la rage au ventre en me disant il faut que ça sorte, sinon je meurs. Hein. C'est pas mon truc. Moi, je m'amuse. Et si un truc m'amuse, ben, je creuse. Et là, ça m'amusait, j'ai creusé. Ou alors, des fois, ça amuse quelqu'un d'autre qui me dit non, mais il faut que tu ailles plus loin. Évariste, j'ai commencé par une nouvelle, c'était un peu de la merde, pour être honnête. J'ai recommencé, c'était toujours un peu de la merde. Et puis, par contre, un coup, je me rappelle, j'étais sous la douche, et il y a une espèce d'épiphanie, je sais pas, ça a été, ouais, c'est bon, là, il y a tout en place, là, cette fois, ça va marcher. Et là, je savais que c'était un roman, et je savais combien il y avait de pages, et je savais ce qui se passait quasiment de A à Z. Et j'ai craché le roman en, bon, quand même 8 mois, parce que je bosse à côté. Et je savais que c'était bon du premier coup. Mais j'avais fait plein d'essais, de nouvelles pas réussies. Enfin, la nouvelle, c'est un bon terrain d'entraînement, je trouve. Et puis, comme j'ai fait une quarantaine de nouvelles, la nouvelle, c'est aussi le truc qui me rend un peu perfectionniste sur le style, sachant que je suis pas un styliste à la base. J'ai pas d'études théoriques en littérature. Franchement, enfin moi à la base, j'étais plutôt destiné à travailler sur machines-outils dans les usines. Hein. Ça a dérapé. Ça a Ça a pas. dérapé. Ça a un Non peu mais dérapé. c'est bien, c'est bien, tu vois. Je trouve que c'est bien aussi de montrer que c'est pas parce que, enfin, t'as pas besoin déjà de faire des études de littérature pour devenir auteur, mais c'est pas parce que tu vas partir, voilà, dans un sens ou un autre dans ta vie que, bah, tu peux pas terminer par écrire un livre, quoi. Exactement. Et puis, je pense déjà, ce qui est important, c'est d'être un bon lecteur, c'est-à-dire un lecteur qui lit pas mal, mais qui aussi réfléchit à ce qu'il a lu. Ça m'a vachement aidé quand j'ai commencé à écrire. Parce que ça m'a vraiment guidé. J'écrivais des choses que j'avais envie de lire. Et quand je les relisais, Oui. c'était est-ce que c'est ça que j'ai envie de lire ou pas? Mmh. Et pourquoi est-ce que quand je lis quelque chose, je l'aime bien? Alors une fois que je le sais, ça, je peux le mettre dans ce que j'écris. Donc le fait d'être un très 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 gros lecteur pendant 30 ans de ma vie, un peu moins maintenant vu que j'écris plus que je lis, mais bon bref, ça m'a quand même permis vraiment de démarrer assez, pas trop difficilement, mais j'aurais pas pu tout seul non plus. C'est-à-dire que j'ai sans mes relecteurs,
je serais, pense pas que je serais l'écrivain que je suis maintenant. Bah Maintenant, quand après. j'écris mon premier jet, je suis à peu près sûr de moi. Au début, mes premières nouvelles, mais purée, mes lecteurs, ils avaient les yeux qui saignaient. Hein. Bah, Et je leur donnais beaucoup. c'est aussi la preuve. Enfin, je veux dire, ça paraît logique. Je veux dire, au début, tu tâtonnes, tu sais pas trop comment faire. Et après, plus tu fais une chose et mieux tu la fais. Oui, mais sauf que souvent, bah, t'as rien. Tu vas chez un boulanger, il fait du pain qui est pas terrible. Tu reviens 20 ans après chez le même boulanger, il fait du pain qui est toujours pas terrible. Parce que il n'a pas le retour, et même si lui il goûte, il se dit, ah, mon pain n'est pas terrible, il comprend pas pourquoi. Puis il voit pas pourquoi, voilà. Donc du coup, moi c'est un peu pareil, c'est. Tiens, j'ai fait une allusion culinaire sans m'en rendre compte. Moi c'était un peu pareil, je faisais une nouvelle, j'en étais tout fier. La première que j'ai écrite, j'ai gagné un prix avec. Mais en fait, c'était de la merde. Je l'ai relu 10 ans après, c'était pour la mettre dans mon premier recueil de nouvelles, c'était mais c'est impubliable. C'est juste qu'il n'y avait pas de concurrence en face, c'était tout. Hein. Ma nouvelle était pas bonne. C'est-à-dire l'histoire était intéressante. Il y avait des passages marrants, mais c'est écrit. Wow, mon Dieu. Donc j'ai dû tout reprendre. Et là, elle est pas publiable, elle est passée, bon, nickel. Mais là où j'ai vraiment compris, c'est quand j'avais une amie, j'ai toujours une amie, qui s'appelle Anna, et dont le prof de lettres s'appelait Umberto Eco. Et ça a été ma première relectrice. Alors je l'ai rencontrée par hasard dans le TGV, un truc totalement improbable. Et on est devenus amis, elle s'est devenue ma lectrice. Et purée, mais franchement, la première fois qu'elle m'a relu, j'ai failli pleurer. Elle m'a fait une relecture en direct face à face, avec un crayon de la maîtresse. Je pense pas qu'elle ait préservé un mot de toute la nouvelle que j'avais faite. Aïe, aïe, aïe. Dur. Voilà, qui, relu par des copains, me dit, ouais, elle est bien ta nouvelle. Non, elle m'a montré qu'elle n'était pas bien ma nouvelle. Et elle avait raison. Alors il y avait des trucs aussi qui lui avaient échappé, sachant qu'elle n'était pas amatrice de SF ou des choses comme ça. Donc ça, bon, même un relecteur, même très compétent, peut faire des erreurs. Mais globalement, elle avait raison. Donc j'ai repris le truc. La nouvelle d'après, je lui ai remontré, je me suis fait encore casser. Au bout de 4 fois, ça a été, ah non, mais elle est bien ta nouvelle. Non, j'ai rien à dire, c'est bon. Comment, Et bon. ceci dit, c'est vachement bien. Il faut avoir des gens qui nous relisent et qui nous critiquent. Mais bon, là, l'expérience que tu décris avait l'air quand même un petit peu violente. Qu comment est-ce que tu encaisses ça? Parce que c'était dur. Ouais, mais je sais que c'est pas. Avec elle, je savais que c'était pas personnel. Oui, mais quand même, là, tu te dis, même si je comprends très bien, hein, mais tu te dis, waouh, je pensais que j'avais fait un truc qui était pas trop pourri, et à l'arrivée, bon, on te dit le contraire, c'est chaud quand même. Faut. L'avantage, c'est que déjà, elle commençait par ce qui était bien. Donc, Il y dans avait le quand même genre. des trucs qui étaient bien. Oui, dans le genre, bah, je savais, comme gros lecteur critique de ce qu'il lit, je savais un peu près spontanément et faire une histoire qui tienne debout. Donc ça, c'est appréciable. Il y en a qui ne savent pas faire. Et puis des fois, ils sont publiés dans des grosses maisons d'édition. Mais bon, bref. Tu as une histoire qui tient debout, déjà, ça plaît à la personne qui lit parce qu'il n'a pas des incohérences comme. Il n'est pas heurté par des incohérences totales, genre, je sais pas moi, un type qui a des ailes de chauve-souris et qui met un peignoir. Juste pour prendre Je vois pas de quoi tu parles. un exemple totalement au hasard. Bien sûr. Là, il y a une private joke là. Bref, toi, ces trucs-là, il n'y en avait pas. Donc déjà, elle te le dit, et voilà, que tu construis bien ton histoire, il n'y a pas d'incohérence. Mais, et alors après, tu prends les cours de rattrapage en stylistique, le fait que le ton, désolé, arrête d'être pompeux, ça ne te va pas, des choses comme ça. Mais en fait, c'est des vrais bons conseils. Ça heurte, honnêtement, on ne peut pas prendre ça en disant, ah ouais, super, cool. Non, tu sors de là, t'as quand même pris ton avoine. Mais tout ce qu'on t'a dit, c'est qu'il faut réfléchir à ça. En disant, il y a une bonne chance pour qu'il y ait ou elle ait raison. Des fois, non.
Oui. Bah, c'est comme quand on a un éditeur qui t'en renvoie ses commentaires. J'accepte pas tous les commentaires qu'il m'envoie. Mais la plupart du temps, bah, son commentaire, il est pas cool. Ouais. Et le fait qu'il y ait 3000 commentaires, c'est que je suis pas encore au niveau. Bon, voilà, c'est tout. Ouais, j'imagine qu'il faut quand même le temps de, tu vois, d'encaisser tout ça et d'y réfléchir, de prendre un peu de recul dessus et d'analyser un peu tout ce que tu as reçu parce que ça fait beaucoup aussi, quoi. Oui, l'émotionnel, faut déjà le laisser passer, hein. Faut pas se fâcher, c'est pas évident, c'est pas Ouais. évident. Le nombre de fois où j'ai essayé vraiment d'expliquer à quelqu'un que son manuscrit il y avait un truc qui allait pas, mais que c'était plus profond que juste je vais modifier deux trois phrases et qu'il fallait peut-être tout reprendre, bah, même en prenant des luxes de précaution à toi, la personne a été blessée. Et donc, tant qu'à faire, peut-être pas prendre autant de luxe et y aller directement parce que foutu pour foutu. Non, mais après, moi je viens du milieu artistique, donc si tu veux, je pense que j'étais un peu préparée à ça. Le fait de devoir recevoir des critiques, c'est un peu la base du métier. Mais je comprends que ce soit pas facile pour tout le monde, mais c'est vrai que je crois qu'un des trucs les plus importants, c'est de comprendre que les critiques qui nous sont adressées, c'est pour rendre le texte meilleur. Ça n'a rien de personnel, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que comme l'écriture, c'est vachement personnel et on met de nous dedans, bah du coup, parfois, on peut comme ça mélanger un peu les deux. Oui, tout à fait. Bah, je pense que c'est ce que voulait dire Orson Scott Card quand il disait qu'il fallait brûler ses marottes. C'est pas parce que c'est un truc que t'aimes qu'il faut tout bricoler dans un bouquin, quoi. Et c'est pas parce qu'il est dans le bouquin qu'il est bon et qu'il est à la bonne place. Voilà, donc ça fait toujours de la peine de virer quelque chose qu'on aime bien ou que quelque chose qu'on aime bien on te dise, bah, en fait, c'est pas si bien que ça. Mais oui, c'est pas que enfin, si. Normalement, quand t'as un relecteur que tu as choisi, il est pas là pour te faire du mal et il essaye pas, et il est là pour t'aider. Bon alors, c'est vrai que dans ce cas-là, je conseille aux jeunes auteurs de ne pas attendre d'avoir pondu 900 pages pour présenter le bouquin à quelqu'un. Parce que ça fait peut-être 900 pages qu'il y a un problème. Ouais. Donc c'est dommage de se retrouver avec 900 pages à la poubelle. Mais malheureusement, ça arrive souvent. Oh, peut-être pas la totalité. Je pense que si tu as écrit Non, 900 pages, bon, il doit quand même y avoir des choses à sauver. oui, mais le souci, c'est quand au bout de 200 pages, tu n'as toujours pas vu où c'est. Voilà, vaut mieux déjà se faire la main, je pense. Enfin, je prends mon cas, hein, j'ai passé 10 ans à faire que des nouvelles, de plus en plus grosses, mais des nouvelles. C'est une très bonne école. Faut prendre son temps. Faire un roman, c'est pas facile. Faire un gros roman qui tienne debout, bah, du premier coup, c'est pas anormal de rater. Donc, faut pas s'en attendre trop dès le départ. Voilà. Je pense qu'il faut accepter l'échec dans le sens il faut accepter de se tromper. Il faut accepter de rater un truc et puis de se dire bon ben voilà, ça, il faut que je retravaille ou que je refasse ci et que je refasse ça parce que ben c'est ce qui risque d'arriver et de toute façon, c'est ce qui risque d'arriver même après avoir écrit 10 bouquins quoi. On est d'accord. Le nombre de fois où un auteur chevronné tremble à l'idée qu'on relit son roman parce qu'il se demande s'il a pas fait de la merde. C'est normal qu'on ait tous la trouille de. Ben oui, surtout Tout le monde. qu'on n'est jamais à l'abri. Quelqu'un de bon, il n'est jamais à l'abri de se tromper à un moment donné, de partir du mauvais côté, ou ben, d'avoir une idée moins bonne que les autres, quoi. Personne n'est immune. D'autant que il y a le même, je trouve, quand on écrit, il y a le même effet que quand on se regarde dans une glace, c'est-à-dire ou qu'on écoute sa voix, tu vois. Comme ça vient de nous, on voit pas de la même façon, et on peut être complètement aveuglé en positif ou en négatif d'ailleurs, parce que l'inverse, me présenter un texte magnifique en disant que c'est de la merde et que je m'excuse de te soumettre ce truc, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah bah moi je de toute façon moi je pars du principe que tout ce que je fais c'est de la merde. C'est mon principe de base et je suis incapable
de juger de la qualité de ce que je fais. Je peux te dire, je sais si j'aime ou pas le texte que j'ai fait, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. Ouais, moi je sais si je suis publiable ou pas, ce qui ne veut pas dire que c'est bon. Quand je fournis quelque chose, c'est publiable. Voilà. La seule fois où je ne l'ai pas fait, on m'a forcé. C'est-à-dire qu'il y avait une nouvelle, j'en chiais à l'écrire, je l'ai refaite 9 fois, et c'était une grosse nouvelle. Donc en gros, j'ai écrit la moitié, enfin, l'équivalent d'un gros roman, parce que je l'ai refait 9 fois à zéro. Ouais. Et à la fin, c'est toujours pas bon. Alors j'ai beaucoup appris, hein. J'ai appris qu'il ne faut pas essayer de caler un roman dans une nouvelle, ça ne rentre pas. Voilà, mais donc j'ai sorti un truc imbuvable à la 9e, je l'envoie, et l'éditeur me dit, mais si, passe-la-moi, arrête un peu de tortiller du cul, je vais regarder. Il me dit, ouais, elle est très bien ta nouvelle. Hein? Tu déconnes? C'est pas publiable ce truc. J'ai failli lui dire que je voulais être publié sous pseudo. Ah ouais? Ouais, alors moi je me suis dit après qu'une anthologie comme ça, il y aurait 12 lecteurs, donc j'étais pas trop inquiet. Donc c'est paru. Et bah, il n'y a eu jamais de critique, heureusement. Mais en me relisant des années après, je continue à penser que c'est ce que j'ai écrit de pire, c'est impubliable. Mais qu'est-ce qui a fait que pour toi ça n'a pas marché? Est-ce que c'était le sujet? Est-ce que c'était le moment? À ton avis, qu'est-ce qui fait que pour toi c'était un échec? Pourquoi? Bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai essayé de caser la complexité d'un roman qui part dans tous les sens dans 50 000 caractères. Ça tient pas. C'est le Et du format. coup, ouais, bah, du coup pour gagner de la place, le show don't tell, je l'ai rayé. Il n'y avait que du tell et un tell. Donc je faisais que de la narration hyper lourdingue. Vu que c'était plutôt tragique, genre. Space opéra avec une tragédie cosmique, tu vois le truc. Alors t'imagines le ton en poulet que ça donne, hyper dense, avec trop de personnages, que le lecteur il peut pas s'y retrouver. Non, il n'y avait rien qui marchait. J'aurais fait un roman avec, ça passait. Parce Mais que pour ça la... aurait. quitte à le réécrire 9 fois, t'as pas eu la possibilité de changer de sujet ou d'écrire autre chose. T'étais coincé avec ce thème, cette histoire-là? Bah, c'était une invitation à une anto, donc tu respectes un le thème, deux le format, t'as pas trop le choix. Oui, Et d'accord, mais le thème, il te laisse la liberté de faire plusieurs trucs. T'étais pas obligé de faire cette histoire-là en particulier, mais tu t'es senti coincé dessus? sur le sujet, j'en trouvais pas d'autre, hein, Ah, merde. honnêtement. Là, j'ai cherché également une porte de sortie de ce côté-là, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Oh là là. Donc Ah mais quand ça veut pas, hein. C'est fou. Ah ouais. Et donc cette nouvelle, bah, c'est le vilain petit canard des 43 où celle-là, j'ai pas hésité à ne pas la sélectionner dans mon recueil de nouvelles, hein, ça c'est clair. Bah tu C'est vois, tout. moi je trouve que c'est en soi ça me paraît normal. Tu vois, sur l'étendue de ce que t'as fait. De se dire, bon, bah ouais, voilà, si je regarde mon travail et que j'ai fait plein de trucs, ben dans le tas, il y en a certaines que je vais effectivement trouver moins bien, voire bof, ou une voire voilà, carrément pas bien. Oui. On est d'accord. Dans les 43, elles sont pas toutes géniales, loin de là, hein, sinon j'aurais gagné un peu plus de prix que ça. Mais Je sais pas si c'est vraiment lié. non, c'est pas lié en fait. Mais bon, j'en ai quand même gagné deux. Bref, les nouvelles, dans le tas, il y en a. J'ai fait le service minimum dans le temps imparti. J'ai pas eu le déclic qui fait que la nouvelle est géniale. J'ai remarqué chaque fois que j'ai une nouvelle où franchement elle est très bonne, à chaque fois il y a un déclic à un moment, et généralement la nouvelle je la torche en 2-3 jours. Quel genre Et de déclic? Genre, d'un seul coup, c'est quand tu sens que t'as l'idée principale d'un seul coup? tiens, bonne question. Alors, voyons voir, parce que dans c'est peut-être pas pareil à chaque fois. Parce que par exemple, dans 8 siècles, sur une échelle de temps, qui est une de mes préférées,
J'avais écrit une nouvelle. C'était laborieux, ça faisait plusieurs jours que j'étais dessus, non-stop, hein, parce que j'étais en vacances. C'était pour les Utopias 2017, pour l'Anto. J'étais pas content du tout. Bon, mais je voyais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que l'histoire me paraissait pas mal, mais. Et puis, je fais une pause d'une demi-journée, je lis une nouvelle de Ken Liu. Et je chope une déprime en disant putain, il est trop bon, moi je suis de la merde. Mais comment? Non, mais franchement, c'est tout pourri ce que je fais à côté de lui. Quel génie. Ah là là, faut que j'arrête. Et j'ai bouffé un bac de glace en chouillant. Le lendemain, je fais CTRL A, supr, efface tout. Et je reste 2 minutes devant l'écran blanc, et d'un coup il y a tout qui se met en place, mais aussi le ton qui manquait, et c'est, enfin dans ma tête ça a été tilt, voilà, c'est ça qu'il faut que j'écrive, et là ça a marché. 2 jours après elle était finie, et franchement c'est de la balle, j'adore. Je la relis des années après, elle est toujours aussi bonne. Et il y a d'autres fois où on me sort une phrase, ça fait tilt, et je sais qu'il faut que j'ai toute une histoire qui se met en place en une demi-seconde. Et j'ai plus qu'à l'écrire et je suis trop enthousiaste et en 2 jours c'est fait. Une fois c'est pour une mousse au chocolat vivante, c'est une de mes premières nouvelles. On m'a fait ça, je l'ai torché le temps d'aller de La Verrière à Paris en RER. Quoi. Donc c'est vraiment, il y a une espèce de tout un schéma qui se met en place et je sais que c'est marrant que je veux la lire. Ouais, mais il y a quand même cette notion de ce que tu racontes. C'est vraiment un déclic ou un moment où d'un seul coup tout va se mettre en place. Ouais, c'est ça, j'ai tous les éléments déjà, c'est pas comme si je pars de rien, et ça se met tout en place dans l'ordre, j'ai tout le plan qui se déroule, j'ai le petit Max qui fait tu vas voir c'est drôle, et il n'y a plus qu'à, et en général ça, j'ai également les personnages, enfin, tout qui vient, mais ça se fait en 2 secondes. Et des fois, il y a d'autres déclics sont arrivés au milieu. Il y a, par exemple, j'envoie une nouvelle à un copain pour la relire. Et il me dit, franchement, c'est une blague, elle est où la vraie nouvelle? Ok. Ouh. Sachant que c'est un copain très gentil qui prend d'habitude des précautions. Il a vraiment cru que je lui faisais une blague. Ouch, ça c'est dur. Ça c'est dur. ça a piqué un peu. Ah ouais. Et après, il me dit, non, mais en fait, ton personnage principal, j'ai envie de la gifler, mais de la première à la dernière page, c'est insupportable. Je sais pas, je fais quelque chose, bute là. À peine il a dit ça, c'est déclic. Je la tue à peu près à la page 4. Et là, l'histoire elle marche. Ça change tout, évidemment, la personne. Forcément, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe sans elle? Ouais. Ben là, c'est mis en place tout seul et ça a marché tout seul. Et je m'en suis rendu compte quand il m'a dit tu l'as et ça fait titre. Mais oui, toute l'histoire s'est réécrite dans ma tête et je savais que ça allait être bon. Et là, en le refaisant, bingo, ça a été bon. C'est quand même une violence, d'une rare violence, ce genre de commentaire. Ouais, mais je suis dur, c'est bon. Et moi, j'aime bien, en fait, et franchement, si un jour tes auditeurs ou toi vous me relisez, ne me ménagez pas, hein, c'est pas la peine. Je percute beaucoup plus vite si on dit les choses clairement. Hein. D'ailleurs, souvent, ça me fait le déclic qui manque. Non, mais ça, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est vrai que moi, je vais préférer l'honnêteté, déjà parce que je ne fais pas relire à n'importe qui. Quand je fais relire, c'est à des gens de confiance. Et je sais que les gens qui vont me critiquer vont le faire pour le bien du livre et pour qu'il soit meilleur. Donc voilà, je préfère l'honnêteté puisque je sais que ce qu'ils vont dire, c'est dans mon intérêt et dans celui du livre. C'est vrai qu'après, t'entendre dire est-ce que c'est une blague, c'est quand même méga violent. Oui, mais alors venant de mon copain Vincent, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a pas grand-chose qu'il peut dire qui va me fâcher. Mais voilà, faut choisir ses lecteurs aussi. Hein. C'est clair que venant de quelqu'un d'autre, j'aurais peut-être moins bien pris. Mais de toute façon, je l'ai pris... Waouh. Ça pique.
Oui, c'est ça. Ah, C'est-à-dire c'est que quand même même. si c'est Mais en quelqu'un de fait, je veux confiance, un ami et tout, c'est chaud. Voilà. Après, je comprends. Je pense oui, non. qu'effectivement, parfois, il y a besoin comme ça d'une confrontation un peu musclée pour provoquer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé dans ton cas, du coup. Et quand on coécrit, c'est pareil, c'est assez violent parce qu'on est obligé de se dire les choses clairement, sinon il y a le truc qui capote. Et du coup, à moins d'être vraiment en phase de reset, ce qui peut arriver, ça peut être assez difficile, quoi. Ouais. De Mais voir c'est du vrai, groupe, tu voir vois, du groupe. ça fait partie des choses. Je vois souvent des gens hein, demander où est-ce que je peux trouver des relecteurs, où est-ce que je peux trouver des gens. Voilà, c'est pas facile du tout parce que on n'a pas forcément ces gens-là dans notre entourage. On sait Non. pas forcément où les trouver. Voilà, on prend pas forcément tous le TGV pour trouver un relecteur. Mais mais ça paraît. Enfin, je pense qu'effectivement, tu as raison quand tu dis que c'est très important de trouver ces gens-là. Oui, et puis il faut des gens qui, bon, alors on n'est pas obligé d'apprécier les gens qui vous crachent à la figure ou qui sont super durs, mais il faut des gens qui prennent pas de gants s'il y a besoin de ne pas prendre de gants. Si vous comprenez pas le message quand il est envoyé subtilement, qu'ils n'hésitent pas à vous l'envoyer moins subtilement. Parce que bon, on a tous son petit ego qui vient perturber un petit peu la discussion. Oui. Et des fois, on s'en fout bêtement sur les sujets. Donc des fois, il faut que la personne soit. N'hésite pas à être clair. Ouais, c'est vrai. Par Après, contre. je pense il faut pas hésiter à dire à ses relecteurs qu'est-ce qu'on est capable d'entendre? Tu vois, il faut quand même avoir ce recul et cette honnêteté de dire, bon ben voilà, écoute, voilà ce que je suis capable d'entendre, et si tu veux me dire quelque chose d'extrêmement violent, peut-être fais comme ci ou fais comme ça, et ça passera mieux. Pour essayer de travailler en bonne entente et de pas se fâcher avec ses amis. Parce que bon, c'est quand même important. On n'est pas toujours sûr de pouvoir encaisser quoi. Ah, on a perdu Olivier? Est-ce qu'on a perdu Olivier? Olivier est connecté. Attendez, j'ai perdu Olivier. Que se passe-t-il? Je vais le chercher. Je vais le chercher, je vais le chercher. Tiens. Tiens. Ah, c'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Clairement, c'est mon téléphone a décidé de piquer le micro. J'ai jamais vu ça. Ben voilà, revendication. Revendication en live. Non, mais c'est quoi? D'un coup, message, micro, iPhone. Non mais Votre voilà. iPhone. Non mais le matériel Apple. Hein? Voilà, il fait des trucs tout seul. C'est trop bizarre. Bon, en tout cas, là, ça marche. C'est bon, c'est bon. En tout cas, voilà, je disais juste que c'était important de poser des limites pour pas se fâcher avec les gens avec qui on travaillait, surtout si ce sont des amis. Voilà. Oui, alors, si quelqu'un vous me demande d'être relecteur, je le préviens tout de suite, c'est que pour lui rendre service, je vais pas juste dire que. Ah oui, non, mais moi, j'aurais peut-être mis une virgule là, quoi. Non, je vais pas parler du tout de formalisme et de style, c'est son problème. Honnêtement, il y a des bouquins où le style. Bah, tu prends. Là, je suis en train de lire un livre de Georges Perec qui s'appelle. Le titre est tellement compliqué, je ne me rappelle plus. C'est le guidon chromé, là. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Bon, bref. Le style est volontairement affreux. Volontairement. Ouais, clairement. Il y a des répétitions sans arrêt en boucle. Les argots sont mélangés, c'est fait exprès. Où est le problème, en fait? C'est dur à lire, du coup, mais c'est sympa, en fait, une fois qu'on est dedans. Donc le style, je laisse ça à l'auteur. Je vais jamais, ou presque jamais, sauf s'il y a des grosses maladresses, mais je vais jamais faire de remarques là-dessus. Par contre, je vais peut-être faire des remarques qui remettent carrément en cause le bouquin. Si je me vois que ça mérite. Genre, non, mais là, désolé, enfin, déjà, les prologues, par exemple, je vais peut-être très souvent faire remarquer que ça sert à rien.
puisque tout est raconté dans le chapitre 2, quoi, hein, poubelle. Ah, on t'a reperdu. On t'a reperdu. Je sais pas si c'est ton téléphone qui a décidé qu'il voulait plus prendre la main. Façon, il est pris. Enfin, si on l'envoie. Une seconde. Je t'entends à nouveau. Merde, ce truc. Attends, j'enlève la détection automatique de tout là. Ok. Là, normalement, ça doit être bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, mais qu'est-ce que c'est que c'est la première fois que ça me fait ça. Hein. Donc, je disais que quand tu passes un éditeur, il va te juger beaucoup sur le tout début. Donc, il faut que ça claque. Voilà, donc je vais faire pareil. Et puis ensuite, je vais regarder les structures et puis ta façon de. Enfin, si ton scénario tient debout et si tes personnages tiennent debout, etc. Le style, je vais absolument pas le regarder, je me sens pas compétent. Mais du coup, mes remarques à moi, elles peuvent être plus blessantes parce qu'elles peuvent être plus impactantes dans la structure du bouquin qui demande plus de boulot, du coup. Ouais. C'est pas juste, cette phrase, elle est pas jolie, quoi. Et du coup, j'ai pu parfois, quand on m'a demandé de relire, faire des remarques qui n'ont pas plu, parce que bah oui, il va falloir bosser beaucoup pour rattraper le coup. Après, je sais aussi quand c'est de mon goût à moi contre le goût de l'auteur, là je fais pas de remarques. Si Ouais. c'est une question de goût, c'est pas le mien. Non, mais je comprends. De toute façon, c'est ce qu'on disait, hein. Enfin, bref, c'était. À un moment donné, tu disais, oui, mon éditeur, il va me faire des retours et je vais pas tout prendre. Faut aussi prendre ça en compte, c'est-à-dire que il faut entendre ce qu'on nous dit et en même temps, il faut savoir aussi parfois dire, oui, mais ça, pour telle ou telle raison, je vais pas forcément retenir ces remarques-là. Oui, Donc. c'est clair. Et comme je te disais, hein, je ne prends pas toutes les remarques qu'on me remonte, mais la grosse majorité est bonne. Hein. Oui, bah oui, en même On temps, c'est s'en son métier sort. normalement, hein. C'est l'éditeur, normalement, il met pas tout à côté, quoi. Oh, c'est clair, c'est clair. Non, puis des fois, c'est. Il y a eu des fois aussi, c'est des questions. C'est souvent des questions qui t'oblige à te demander si tu as bien fait de mettre ça et s'il ne faudrait pas l'introduire plus tôt, des trucs comme ça. Donc j'ai fait des corrections pour répondre à des questions qui n'étaient pas vraiment des remarques. Oui, non, mais je comprends, oui, je comprends tout à fait, effectivement. Parfois on se dit, ah tiens, mais et si ça, tout ça, est-ce que ça changerait pas tel endroit, ou est-ce que ça aiderait pas l'histoire, parce que du coup, ouais, non, mais si, c'est important parfois Bah. d'avoir quelqu'un qui te pose une question sur un truc, hein. Attends, et sur mon dernier roman, là, Évariste, Requiem pour, en catastrophe majeure, il y a eu une remarque qui m'a fait changer 14 chapitres. Ah oui, quand même. Ben, il y avait une remarque qui disait, ouais, ce personnage, je le trouve pas, ouais, je le trouve un peu fade. Je réfléchis, puis, ah ouais, c'est vrai qu'il sert à rien, en fait, ce type. Il sert de hallebardier, là, c'est pénible. Je réfléchis, puis je décide de fusionner deux personnages. Ben, sauf que ces deux personnages, on les voyait dans 14 chapitres. Ah ouais. Donc il a fallu tout refaire. Enfin, tout refaire. Sur 28 chapitres, 14 Ouais. impactés, quoi. Donc Ça fait la moitié. c'est là que le Covid m'a servi, hein. J'étais en arrêt maladie 15 jours à la maison avec rien à faire, vu que j'étais enfermé dans ma chambre avec un passe-plat. En 15 jours, j'ai tout écrit, mais C'est c'était boulot. du taf. Ouais, je comprends très très bien. Oh. Bon, Eddy, Disais. ça fait 1 heure qu'on y est. Est-ce qu'il y a quelque Oui. chose qu'on n'a pas dit, dont on n'a pas parlé et que tu voudrais dire avant qu'on termine? Sur l'écriture en général, je pense qu'on pourrait parler pendant 4 heures. Oui. Sinon, je peux juste signaler que si on veut causer avec moi, je suis à la librairie Erol le 26 octobre à 15 h pour dédicacer mon dernier livre, mais aussi pour distribuer des pâtisseries. Donc, si vous voulez prendre un goûter, la librairie Boulevard Saint-Germain à Paris, métro Maubert Mutualité ligne 10. Très bien. Voilà, n'hésitez pas. Rendez-vous est pris. Rendez-vous est pris, le message est passé. Voilà, il y a ta. Il y aura des Et bons. Il y aura du... des bons. Ouais, très bien. Y aura des bons. Ouais. Et du coup, est-ce que éventuellement, bah voilà, t'as
un titre à mettre en avant que tu veux que les lecteurs découvrent ou une future sortie dont tu veux parler. Vas-y, Alors, en c'est sortie, l'instant réclame, publicité. puisque je suis dessus, donc le livre que j'ai dédicace chez Roll, c'est La Grande Cuisine Cosmique aux éditions Tana. Donc, si vous voulez découvrir l'astrophysique facile, mais à jour, hein, c'est-à-dire que je me suis tapé 40 conférences du Collège de France avant de commencer à écrire ce truc. Et ben, ça, c'est ma dernière publication et je la publie le 20, je la dédicace le 26 chez Erol. Et sinon, si, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, il y a mon dernier roman, enfin, il est plus si récent que ça, mais vous pouvez toujours le commander, c'est Requiem en catastrophe majeure aux éditions Nemos. Ça, c'est pour mon côté romancier. Et sinon, ben, je travaille sur des prochains projets, on verra bien. C'est la surprise, c'est ça? Et ben, le roman de trois parties dont je parlais tout à l'heure, Ouais. j'espère bien le terminer assez vite. Et puis Ben. ensuite, bon, on va encore parler d'idées à travailler prochainement. On verra ce qu'on prend, De entre toute ce façon, qu'on. tu mets tes news sur ton site, je suppose. Oui. Ben Bah, alors, voilà. bon, plus ou moins régulièrement, mais on me trouve assez facilement sur les réseaux sociaux, hors anciennement Twitter, Ouais. que j'ai quitté. Sinon, le reste, je suis assez facile à trouver sur Blue Sky. Sur Facebook aussi, si vous voulez, et puis même Instagram et mon blog gechter.org. Vous tapez juste ça tombe tout seul. De toute façon, il suffit de taper Olivier Gechter sur Google et vous allez trouver plein de choses, donc vous allez trouver. Voilà. Ouais, des conférences super intéressantes et gratuites. Ah, voilà, Cherchez bien. très bien, parfait. Super. Eh bien, très bien, merci. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Merci. C'est très gentil de m'avoir proposé. C'était bien, c'est très sympa comme discussion. Bien, écoute, avec plaisir, avec très grand plaisir. Et merci, merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à ceux qui ont fait des dons. Merci, voilà, d'avoir été là, d'avoir écrit un petit commentaire. Et je vous fais de gros bisous à tous et surtout je vous souhaite un bon goûter parce que c'est l'heure du goûter et c'est très important. Et donc je vous dis au revoir et bon appétit. Merci.